Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, petite revue Transformers G1, ça faisait un petit moment et donc ça fait bien plaisir. Donc consacré à notre Autobot Cup, sorti en 1986. Véhicule donc que je dois à mon ami Eric Corny, aka Tonton Rico. Voilà, sans qui cette acquisition n'aurait pas pu être possible. Enfin, un cup dans ma collection et je vous montre au passage, celui-ci est complet puisqu'il est, voilà, avec son petit blaster. Et ça, c'est super cool. Voilà, les présentations sont faites. Je fais d'abord plein de gros bisous à mon ami Tonton Rico, merci pour cette acquisition. Franchement, voilà, je suis heureux. Vivement ton prochain colis. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous à toi et à ta petite famille. Et puis voilà, les amis, donc les présentations sont faites. Alors que diriez-vous à présent de passer tout de suite au vif du sujet? Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur notre soldat Autobots, voilà, sorti en 1986 dans sa forme cybertronienne, inspiré donc d'un pick-up cybertronien. Voilà, on y retrouve encore du métal. Déjà, la première chose à noter, toute la partie avant du cockpit, c'est métallique. Voilà, on avait encore du métal avant de passer au full plastique. On a donc le pare-brise avant qui est intégralement peint, pas de vitre translucide. C'est un petit peu dommage, mais bon, sur du métal, ça peut se comprendre. Et au moins, on a quelque chose quand même de très respectueux vis-à-vis du dessin animé. On retrouve juste ici sur le dessus le fameux petit autocollant thermosensible qui, lorsque vous apposez votre doigt via la chaleur de celui-ci, vous permet de dévoiler le symbole de faction. Voilà, caché. Donc là, ici, en l'occurrence, Autobots. Nous retrouvons d'ailleurs, voilà, d'autres symboles Autobots sur les flancs arrière de notre pick-up. Du métal, comme je vous le disais, donc ce qui rend quand même le personnage et le jouet très robuste. Il a bien vieilli, les couleurs sont encore là, propres, éclatantes. Il n'a pas terni. Et aussi à signaler que tous les autocollants sont là. Voilà. Donc il ne manque rien, y compris en dessous. Donc voilà, hein, vraiment en excellent état. Avec donc, comme je vous le disais, voilà le petit blaster. Voilà, comme ça, mon petit Sergeant Cup est complet. Et ça fait plaisir. Malheureusement, pas de stockage pour celui-ci. G1 oblige, donc vous pouvez éventuellement, voilà, le déposer à l'arrière. Et c'est tout ce que vous pourrez faire. Voilà pour le mode véhicule, vraiment avec de très jolies finitions. On retrouve aussi les petites jantes ici, voilà, en bleu clair. Voilà, les gravures, les culture. Les moulures sont plutôt très sympathiques, c'est sobre, on a quelque chose de très très limpide, très liquide, mais en même temps c'est aussi ainsi qu'on voit dans le dessin animé. Donc voilà, vraiment assez fidèle. Les autocollants sont bien entendu là toujours pour rehausser et pour donner un petit peu plus de charme à notre véhicule. Et on remarque juste ici les moulures pour les portières qui se trouvent à l'arrière, voilà qui est plutôt intrigant. Donc revoici notre personnage de face, de profil, de dos, de dessus et au niveau de l'undercarriage. Voilà, tout est propre, bien loqué, bien rangé. Les pneus ne sont pas en caoutchouc, hein, c'est du pneu dur, ce qui explique, voilà, un roulement peut-être un peu moins fluide qu'avec des pneus gomme, mais néanmoins, vous voyez, pour son âge, il est encore véloce. Voilà pour cette petite merveille sortie tout droit des années 1986. Et petite photo de famille de mes différents cups Esprit G1. Nous retrouvons tout d'abord l'excellentissime Titans Return, sorti en 2017 et qui franchement ne démérite pas. J'adore cette gamme, j'en suis toujours aussi fan. Petit avantage du Titans Return, rappelez-vous, c'est qu'il était possible donc de pouvoir placer la tête Headmaster, voilà, aux commandes du véhicule. Ça, c'est un gimmick dont je suis toujours aussi admiratif. Et puis donc juste ici, nous avons la toute dernière version, à savoir la version Studio Series, sortie quant à elle en 2020. Et oui, déjà. N'hésitez pas à regarder mes différentes playlists, hein, si vous voulez voir donc les revues de mes autres
Cup de mes autres versions de Cup. Voilà donc pour cette petite photo de famille. Alors concernant la transformation G1 oblige, pas de prise de tête, on a quelque chose d'assez simple, accessible, fluide, avec quelques petites innovations à noter au passage. Donc voilà, nous prenons notre petite Ami Cup et dans un premier temps, donc, nous allons venir ramener voilà, le bras qui se trouve donc juste en dessous du cockpit. Voilà, hop, et on met déjà en place le tout comme ceci. Idem ici, on fait bouger donc cette partie-là de façon à venir dégager le bras. Alors n'hésitez pas au passage à vous servir des petits ergots ici et ici. Voilà, pour pouvoir ramener ce dernier. Même opération, on fait comme ceci. Quand c'est fait, on vient hop, soulever cette partie-là, faire basculer tout cet ensemble comme ceci. On réunit voilà les jambes et on vient hop bien placer le tout correctement. Ensuite, petite technique assez astucieuse pour les pieds, vous prenez donc toute la partie du bloc des roues et vous appuyez vers le bas et vous voyez donc voilà, ça vous permet de dégager, de déloquer la pointe du pied et de pouvoir le mettre, voilà, comme ceci. Voilà donc le bas déjà transformé. Ensuite, nous passons donc à la partie supérieure. Vous venez séparer le cockpit en deux, comme ceci. Vous repliez, voilà, le backpack ainsi, voilà, sur lui-même. On continue ensuite en venant donc prendre la partie du cockpit, voilà. En rabaissant cette dernière et en la loquant de façon à la positionner dans l'alignement du slibard. Ensuite, donc, ne reste plus que les bras. On aligne proprement celui-ci et celui-là. Voilà. Et pour finir, nous venons rajouter le petit pampan de cup. Voilà. Et voilà, ladies and gentlemen, notre cup transformé. Yes! Et petit 360 de notre cup, voilà, transformé. Que dire, la transformation est assez basique, le mode robot l'est tout autant, mais néanmoins, donc bon, pour l'époque, c'était, voilà, c'était, ça remplissait tout à fait donc le cahier des charges pour faire un bon Transformers. On reconnaît bien encore, même dans sa forme robot, l'esprit donc du dessin animé. Voilà, le visage est bien fichu. Les petits autocollants amènent un petit peu plus aussi de dimension et de petites touches plus précises de notre ami, avec des petits circuits électroniques à droite, à gauche. Enfin bref, voilà. Il a quand même de la gueule pour son âge, même si sa tête est un petit peu plus plate. Mais ça, c'est par rapport à la transformation. On n'a qu'une demi-tête. Voilà. Pour le reste, c'est correct. Les proportions sont un peu hasardeuses. Jouet G1 oblige. Les jambes sont un peu plus grandes que le reste. Les bras sont un peu trop bas. Mais sinon, voilà. Le genre de jouet, en fait, qui, voilà, qui vraiment cartonnait à l'époque. Alors, ce n'est certainement pas la plus belle figurine Transformers qui existe. Je vous l'accorde. Mais néanmoins, elle a son intérêt. Et puis, bon, le personnage, dans une partie de la série, a quand même aussi sa grande importance. Donc voilà pour notre cup dans son mode robot. Concernant les articulations, G1 oblige, vous vous doutez bien que celles-ci sont assez sommaires. On a quand même quelques petites choses qui changent des TF traditionnels. Vous voyez, par exemple, nous pouvons avancer et reculer la tête. Alors certes, c'est par rapport à la transformation, mais enfin voilà, ça vous donne quand même une petite articulation si vous souhaitez voilà orienter les yeux de Cup vers le haut ou tout droit ou légèrement vers le bas. Donc nous avons voilà les bras avec une rotation à 360, un peu grinçante d'ailleurs au passage. Vous pouvez voilà pour la pub Dove vous faire plaisir. Il y a de l'amplitude et vous pouvez également donc articuler le coude, voilà, à 90 degrés, même un petit peu plus de 90 degrés. Et puis aussi, chose sympa, c'est que nous avons donc les points,
voilà, que l'on peut pivoter à 360. Voilà, quelques petites articulations qu'on n'a pas l'habitude de voir dans du Transformers classique. Les jambes, quant à elles, sont fixes, rappelez-vous, de par la transformation, vous voyez, comme ceci, eh bien voilà, nous n'avons pas d'articulation aux jambes. Et vous avez par contre, voilà, une légère articulation au niveau des pieds. C'est pas ouf, mais c'est quand même mieux que certains J1 de base. Donc voilà. Là encore, niveau articulation, il remplit parfaitement le cahier des charges de l'époque. Et pour finir, petite photo de mes différents cups Esprit G1. Donc nous retrouvons à nouveau le Titans Return juste ici, suivi du Studio Series. Et c'est là qu'on voit quand même que l'ingénierie et le progrès parfois peuvent bien faire les choses. Regardez-moi ça, le cup actuel. On a quelque chose de quand même, voilà, 100% quasiment accurate avec donc le film et la série animée. Voilà, donc pour cette première petite photo de famille. Et pour finir, donc petite photo de famille aux côtés de la version Generations sortie en 2011. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée à notre bon vieux Cup G1 sorti en 1986. J'espère que cette revue vous a plu, qu'elle a permis donc à certains de découvrir et à d'autres de redécouvrir donc voilà ce personnage aussi emblématique de la collection Transformers. Voilà, personnellement ce n'est pas le plus beau comme je vous le disais, mais niveau ingénierie. Et puis tout simplement le personnage en lui-même que j'aimais bien dans la série. Voilà, enfin, ma collection peut ajouter ce petit personnage. Je ne suis que joie, bonheur et félicité. Merci encore à hein, Tonton Rico pour cette magnifique acquisition. Voilà, je suis vraiment super content. Et je sais aussi donc le prochain colis qui m'attend. Et là, voilà, j'avoue que je suis là encore très très impatient. Voilà, en tout cas, nous resterons pour le moment donc sur cette version de Cup G1. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce personnage et pourquoi pas de cette revue. D'avance, comme toujours, un grand merci pour tous vos petits pouces bleus qui me font toujours infiniment plaisir. Certains l'auront peut-être remarqué, le son peut être meilleur ou semble meilleur ou de meilleure qualité que pour mes précédentes revues et c'est normal. Voilà, j'ai fait l'acquisition, j'ai investi un petit peu pour ma chaîne, voilà, j'ai fait l'acquisition d'un petit micro. Alors je parle un petit peu plus fort hein, parce que bon, non, il n'a pas non plus une portée de 50 mètres. Voilà, un petit micro tout neuf, tout beau pour vous faire de très jolies vidéos, en tout cas dans lesquelles vous m'entendrez mieux qu'avec mes vieux micros de la guerre 14. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps. On se retrouve de toute façon pour de nouvelles, très prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite d'ici là une excellente semaine. Amusez-vous bien, reposez-vous bien, plein de courage et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Do you want a cup of coffee? A cup of tea? Oh no, just a cup of noodles. Et vous trouvez ça drôle? Je vous signale que je suis là et que j'ai tout entendu. Trop du cul. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.